Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire d'inscription sur Excel. Là, comme vous voyez, c'est automatique, sans afficher la feuille Excel. Donc là, on peut ajouter les données, par exemple, Jean-Paul, email John. Pour ce qui est numéro, rue de la Paix, par exemple, Paris, France, homme, célibataire, la date d'inscription automatique, ajouter. Voilà, donc les données sont ajoutées dans la base de données. Pour modifier, sélectionnez ce que vous voulez modifier, ensuite modifier la même chose pour supprimer, et là le bouton effacer pour effacer les champs en fait en cas d'annulation, et le bouton bidé, ça veut dire base de données, pour afficher la feuille Excel. Voilà, automatiquement. Un bouton pour ouvrir le formulaire. Et maintenant, on passe à l'application sans plus tarder. Alors, mais avant tout, par solidarité, abonnez-vous à ma chaîne, un like, partage, un commentaire bien sûr, et on commence. Alors, nouveau classeur, je vais fermer. De ça, on peut enregistrer. Alors voilà, je vais maintenant sélectionner la base de données de cette manière. Accueil, centré, centré, ajouter les bordures. Voilà, ça marche. Ensuite, je vais seulement sélectionner l'en-tête. Donc voilà, on va voir ça après. Voilà la base de données. Alors, allez dans Développeur. Développeur, Visual Basic. Et maintenant, on va créer un formulaire. User Form. Insertion. User Form. Ensuite, je vais insérer les champs de texte. Alors là, on a champ de texte. Bordure, voilà. On a combien? On a 6. Je vais dupliquer la zone de texte. Appuyez sur CTRL. Ensuite, glisser vers le bas. 4, 5 et 6. Alors, on a 6. Ensuite, 3 combo box. Ensuite, je vais seulement glisser vers le bas. Et voilà. Agrandir. Donc voilà pour les champs de texte. Et maintenant, sélectionnez les quatre. Ensuite, allez dans Border Style. Voilà, je vais maintenant ajouter des intitulés, label,
Donc, en fait, là, on a 30. Donc, 30. C'est bon. Je vais ajuster la taille. Times, gras, 18 ou 20. Voilà. Maintenant, je vais ajouter les bordures. Après, je vais désactiver tout. D'accord? Donc, la même chose. Je vais dupliquer le label. Ensuite, on va renommer. Donc là, on a le nom. Email. Téléphone. Adresse. Ville. Ensuite, pays. Genre. Statut et la date d'inscription. Date. Voilà. Donc la même chose. Je vais renommer le textbox. Donc là, on va changer les noms à partir d'ici. C'est pas. Alors, on a TXT, TXT nom. TXT prénom TXT email TXT téléphone. Adresse. TXT ville. Et là, CBO, combo box. CBO, pays. La même chose, CBO, ça veut dire combo box. Genre pardon, ah c'est pas ici, ville CBO pays. CBO genre CBO statut ensuite TXT dot date. Voilà, pour là, c'est bon, il y a pas de problème. On peut le renommer en tant que. Donc on a 7, donc on a 8. Voilà. 9, c'est bon. Alors là, on va voir
des boutons. Voilà, bouton. Je vais agrandir un peu. Je vais dupliquer le bouton. J'ai besoin de 6. Ensuite, renommer chaque bouton. Ajouter. Modifier. Supprimer. Effacer. BD, base de données. Et là, fermer. Toujours la même chose. Je vais maintenant renommer les boutons pour les codes en fait. Alors, donc on a CMD ajouté. CMD modifié. CMD supprimé. CMD effacé. CMD BD, base de données. CND quitter ou fermer. Voilà. Alors je vais ajouter list view. Voilà, je vais maintenant changer l'arrière-plan du formulaire. Allez dans Bacala, arrière-plan, et choisissez votre couleur préférée. Je vais maintenant désactiver l'arrière-plan pour les intitulés. Je vais sélectionner tout. Ensuite, allez dans Backstyle, mettez tout en transparent. Ensuite, désactiver les bordures. De cette manière, et voilà qu'est-ce que ça donne. Ajuster les boutons, aller dans Font, mettons Times, gras, à la 18, et c'est bon. La couleur des boutons, ajouter. Donc modifier, je vais le mettre ce color-là. Supprimer. Base de données. Sur ce color, par exemple, fermer. Voilà, c'est bon. Changer la couleur en blanc. Et voilà. Alors maintenant, je vais exécuter pour voir. Donc voilà le formulaire. Il reste à ajuster.
Voilà, donc pour changer le nom du formulaire, allez dans Caption. Formulaire. Inscription. Et voilà. Et maintenant, exécuter. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Et voilà. Donc, tout est prêt maintenant. Donc, j'ai renommé tout. Voilà, c'est bon. Alors, donc, c'est la fin de ce tuto. Mais avant tout, il faut enregistrer le fichier en tant que macro. C'est très important. Allez dans Fichier. Ensuite, Enregistrer sous. Choisissez l'emplacement que vous souhaitez enregistrer. Ensuite, formulaire. Inscription, par exemple. Et pour type, choisissez classeur XL prenant en charge les macros. Ensuite, enregistrer. Et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.